Vous êtes sur RTL. Pourquoi pas une finale 100% française? Les Lyonnais qui affrontent ce soir le Bayern Munich ne sont pas favoris, hein, faut le reconnaître, loin de là. Mais sur place à Lyon, Frédéric Perruche, on y croit. Sur la place Bellecour, les supporters ont déployé une immense banderole. Le peuple lyonnais est avec vous, les gones, à l'image de Pierre, 17 ans. Franchement, Lyon, il y a des fois où je joue bien, il y a des fois où je joue mal, mais là, j'espère que là, vous en voyez. Hein. On a des bons joueurs, normalement, ça devrait être bon. Moi, j'y crois, c'est Lyon, c'est ma ville. On va les chicoter, 2-1 ou 3-2. Maillot et short aux couleurs de l'OL, Jamel est persuadé que Lyon peut créer une nouvelle fois la sensation sur la scène européenne. Je le sens bien. Tout le monde nous voyait perdre contre Manchester City. Ce soir, ça va être la même chose. Et c'est des guerriers. C'est un groupe d'amis, un groupe de copains. Très très belle équipe du Bayern. Mais nous on a nos valeurs. Je pense qu'on va passer. Lyon a des armes, Aouar, Dembélé, Memphis, Cornet, Lopez. Un groupe et des talents qui peuvent renverser l'immense montagne bavaroise, selon Alexandre, fervent supporter. Qu'est-ce qui nous inquiète au Bayern? Tout. Tout. Leur attaque, c'est d'une rapidité, c'est incroyable. C'était foudroyant contre Barcelone. Mais je pense que nous, on a nos chances. On sent qu'ils jouent les uns pour les autres, qu'ils donnent tout. C'est pas toujours parfait. Mais on sera là. On n'a pas peur, nous. On y va serein. L'OL n'est clairement pas favori. C'était déjà le cas contre la Juve et Manchester City. Et on connaît la fin de l'histoire. À Lyon, le reportage de Frédéric Perruche pour RTL Bayern Noël. Ce sera bien sûr à suivre ce soir sur RTL. Soir de Ligue des Champions, c'est dès 20h45, notez-le, avec Christian Olivier et tout le service des sports.